Les esprits ne sont pas un mythe, ils existent réellement. Ils peuvent habiter des corps ou des objets inanimés. Et voici le cas d'une jeune femme qui se sent oppressée, surveillée tous les jours. Dakota Schiffert, experte en paranormal. Bon, c'est ici. Prends mon sac. Bon, c'est une première enquête pour toi, c'est un peu délicat. J'espère que t'es prête, Léa. Oui, mais moi, c'est Emma. Ah oui, bon, on va aller voir le contrat maintenant. On pense que c'est un cas de possession. D'accord, madame. Entrez, entrez, vite, entrez. Bonjour, je suis Dakota Schiffert, experte en paranormal. Eh bien, je vous attendais tellement. Je prends. Allez vous installer, je vous en prie. Merci. Voici le contrat. Bon, Anastasia, tu me passes mon sac ? Emma, madame. Bon, eh bien, j'ai lu votre dossier, mais vous allez expliquer à vive voix ce qui se passe ici, d'accord? En fait, des fois, je retrouve des portes ouvertes, des tiroirs ouverts. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on m'observe tout le temps. Ça me fait peur. C'est peut-être un cas de voyeurisme? Ah non, c'est du paranormal! On est ici pour du paranormal! Le voyeurisme, c'est bon pour les policiers, d'accord? Je ne veux pas de ça chez moi, Esmeralda, t'as compris? Et puis, depuis combien de temps ressentez-vous cette présence? Ben, ça fait une semaine, mais c'est de pire en pire chaque jour. Bon, tiens, regarde ça. Les données. Emma, madame. Je sens quelque chose. Là-bas. Suivez-moi, tout le monde. La découverte du siècle. Cet être maléfique, tout droit venu des ténèbres. Regardez-moi cette immondité! Mais c'est Pookie! Ma tortue de mer! Vous êtes sûr que c'est pas ça qui cause tout mon problème par hasard? Ben non, c'est Pookie quoi! Bon, on va pas rester planté là, vous nous montrez la maison quand même!
Oui, suivez-moi. Bon, bah, couvrez-moi, Mesquina. Emma, madame. Bon, bah, couvrez-moi. Oui, madame. Ah, j'ai oublié. Romana, il faut mon détecteur d'esprit. Emma, madame. Tenez, madame. C'est mieux comme ça. Allons-y. Sophie, est-ce que ça va? C'est qui, Sophie? C'est ma colocataire, elle est très malade et il lui est arrivé une histoire de fou. Dossier, vous avez déjà travaillé avec elle? Ah, ouais, d'accord. Je me rappelle pas. Oh, je vais vous emmener dans la pièce où j'ai vu l'ombre, c'est celle-ci. Ok, allons-y. Oh oui, je commence à sentir quelque chose ici. Oh, pardon madame. C'est ma première enquête. Je suis désolée. T'as vraiment osé faire ça, Regina? Me mettre dans l'embarras comme ça? Ah, Emma, madame. Des ondes maléfiques ici. On ferait mieux d'aller voir les autres pièces, madame. Bien sûr. Ça doit être Tobias. Mais qui c'est celui-là? Ah, Tobias, c'est toi. Mais tu viens voir Sophie, elle est toujours malade. Je peux la voir? Ici, c'est vraiment trop dégueulasse. Ouais, il fait sombre ici. Voilà. Pourquoi tu rentres comme ça? Bah, je sais pas. C'est bon, comment tu rentres là? Bah, je sais pas, tu ris plus, tu te laves plus. Non, mais tu te prends pour qui? Bah, je t'accoloque quand même. Je t'accoloque, et alors? Voilà. Sophie, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis Dakota Schiffer, experte en paranormal, et ça, c'est pas du tout paranormal. Je me casse. Pousse-toi, Janssen. Mais attendez-moi, madame. Oh putain, ça va chier. Tu vois ça? Regarde ça, Vanessa. Ça, ce n'est pas un esprit, c'est un zombie. Mais moi, c'est Emma! Il faut le dire avant, Emma. Casse-toi, putain! Merde, putain. Allez, va faire la pause, bâtard. Mm-hmm.
Et maintenant, vous allez tous crever. C'est bon, les amis. Tu viens, Emma? Heureusement qu'on a fini avec cette merde. Mais, madame, ils sont où les autres? On s'en tape. Vas-y, vas-y. Oh, oh putain! Elle est morte! Ça s'en bat les couilles, on se casse! Mais faut qu'on fasse quelque chose! Faut qu'on bouge les cadavres! On peut pas rester comme ça! Faut appeler les flics, merde! Bah tu vois, moi, une bonne journée de travail comme on les aime.